soufflons à l'eau. En arrière, quand le vent me souffle dans le dos. C'est ici, il va éclater au bout. Ils sont là, comme elle. Ils ont les yeux vers la terre. Quand les autres regardent tout en haut. Appelle un peu la réalité avec un fond au noir. Vous reconnaissez qui a dit le tableau? Ils n'ont pas les mots faciles. Tout autour. Starting off with 300,000. $400,000. Regardez le tableau. 750 par elle-même. 750,000. 750,000 francs. 800,000 francs pour le tableau qui dit mieux. 800,000. On est à 800,000 francs. On est à 800,000 francs. 800,000, il dit mieux. 800,000 francs, il dit mieux. 850,000 francs, il dit mieux. 850,000. 850,000 francs, il dit mieux. Pour ce beau tableau de Patel Doku. 900,000 francs. 900,000. On a 900,000 francs qui disent mieux. Regardez le tableau. Qui dit mieux. 900,000 francs deux fois. Et 900,000 francs trois fois pour ce tableau. Félicitations, monsieur. Le tableau que vous voyez présent ici a été réalisé dans un fond aux couleurs chaudes. Il présente deux personnages. Le plus grand, c'est celui de la diva, notre maman Angélique Kidjo. Réalisé avec une image qui capture un de ces moments de forte émotion où elle exprimait son talent avec puissance, un micro bleu en main. Parce que ce micro, ça symbolise la paix, ça symbolise le calme, la sérénité, ça symbolise surtout la sensibilité de l'artiste. Vous voyez un peu autour d'elle un aura, c'est l'aura de Dieu qui l'accompagne et qui force l'admiration à son talent, son travail, au travail qu'elle fait. En gros, vous voyez le portrait de Oluwatobi Chancel Ogun. C'est une jeune fille au bois d'ébène, peinte avec un visage innocent et naïf, puisque généralement, les enfants ne savent pas ce qui viendra demain. Ils sont insoucieux. Ils ne font que vivre, ils n'ont pas de soucis pour manger, tout ça. Alors, ce tableau présente son combat, le combat de Angélique Kidjo. Ça présente son combat et son envie de défendre la couche faible mondiale avec son micro en main, sa musique qui démontre sa seule arme de guerre,
pourras défendre tout ce personnage-là. Et vous pouvez le comprendre. Le tableau a été réalisé avec des éléments que vous pouvez trouver partout. En gros, tu peux citer du filet, tu peux citer une toile de jute, caoutchouc, arrêt de moto. Vous pouvez également voir des courroies de voitures et autres. C'est du réalisme conscient. Merci beaucoup. Exactement, ça représente les ancêtres. Le filet représente également la richesse chez les pêcheurs. Et le tableau est intitulé Angélique Kidjo 2018, la voix des belles. C'est pas perdu. Merci beaucoup d'avoir venu très fort à ce jeune artiste. Il n'a pas hésité une seule seconde à nous accompagner ce soir pour la première et qui nous a fait don de ce magnifique tableau. On pourra applaudir très fort. Merci, Patrick.